Alexandra, vous nous emmenez à Katzenthal dans le Haut-Rhin. Magnifique image. Hein. Très belle image, prise hier matin avec localement de nouveau du brouillard. Les brouillards qui sont donc au rendez-vous cette semaine avec cet anticyclone et cette humidité dans l'air. Conséquence, eh bien, la visibilité est réduite. C'est le cas donc, du côté de Katzenthal, mais pas uniquement. Regardez, du côté de la plaine d'Alsace, on retrouve également une visibilité réduite avec cette très jolie photo envoyée par l'un de nos téléspectateurs. Alors au programme ce matin, un temps assez nuageux avec d'ailleurs la nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, perturbation qui donne actuellement quelques gouttes de pluie, notamment sur la pointe du Finistère. Et puis regardez, du mauvais temps également sur le Languedoc-Roussillon avec le retour du vent marin qui rapporte quelques pluies. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours cette même perturbation sur la Bretagne ou encore autour du golfe du Lion. Les brouillards qui pourraient rester localement présents entre la plaine d'Alsace et le golfe et la Bourgogne. Côté température hivernale, ce matin il fait froid. Regardez, en moyenne moins 2 degrés à Dijon ou encore à Strasbourg. C'est beaucoup plus doux en Bretagne avec les nuages. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près stationnaires et toujours un petit peu fraîches avec 11 degrés à Paris, 17 degrés le long de la Garonne. Là, c'est très doux. Vous aurez 19 degrés à Perpignan et seulement 6 degrés sur la Lorraine ou encore sur l'Alsace.